Je l'ai annoncé au tout début de ce journal que le Premier ministre Samalou Kondé a échangé ce mercredi avec l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Samalou Kondé a éclairé la lanterne de Wang Xiang sur la question de la paix et la sécurité en République démocratique du Congo, également dans la région des Grands Lacs. Alors, ces hauts diplomates des Nations Unies a échangé avec Samalou Kondé. Il a dit à ce que son équipe va aider à mieux faire le travail sur terrain, mais aussi à préparer la communication au Conseil de sécurité qui va se tenir le 26 octobre prochain à New York. J'aimerais bien profiter de votre caméra et de votre micro pour exprimer une fois de plus mes vifs remerciements au Premier ministre qui a bien voulu partager avec nous sa lecture sur la situation politique et sécuritaire dans la région, ses observations sur les grands dossiers de la région des Grands Lacs. Cela nous aide fortement pour notre travail pour les semaines à venir, et ça m'aiderait surtout à préparer ma communication au Conseil de sécurité le 26 octobre. Et donc nous avons une vision plus claire sur les choses, sur les défis, sur les difficultés, et nous sommes aussi encouragés par cette analyse encourageante du Premier ministre pour voir comment mieux gérer tous ces dossiers de paix et de sécurité.